Ricardo Lumengo, vous êtes candidat au mouvement socio-libéral, mais on accuse les étrangers de tous les maux dans la société. On les accuse de l'augmentation du chômage, de l'excès d'utilisation d'énergie, de la criminalité et encore de beaucoup d'autres mots. Qu'en pensez-vous Je ne crois pas que cela corresponde à la réalité. Vous savez, la Suisse est un pays imprégné d'une tradition humanitaire, euh, la tradition hospitalière de la Suisse, et je crois que euh, cette valeur-là doit continuer, cette image-là de la Suisse euh, euh, doit être conservée. Euh, les étrangers ont beaucoup contribué à la prospérité euh, euh, de la Suisse. C'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui, il en soit ainsi qu'on cherche euh, par des prétextes politiques des solutions euh, euh, en général inadmissibles. Moi, je pense que la vraie solution au problème de la migration, c'est surtout euh, par le fait que la Suisse euh, ou les pays riches en général doivent s'engager directement. Dans les pays de provenance des migrants, s'engager dans les cadres de l'aide au développement, aider ces pays-là à avoir des structures démocratiques, à renforcer les systèmes de gouvernance, combattre la corruption. Je crois que participer encore à la stabilité de ces pays-là, c'est à travers ces mesures-là qu'on pourrait trouver des solutions raisonnables euh, à la problématique de la migration. Ricardo Lumengo, en tant que politicien, vous avez euh, dû suivre avec beaucoup d'intérêt les nouvelles mesures de répression et de durcissement vis-à-vis -vis des étrangers. Qu'en pensez-vous En principe, euh, un certain contrôle, une euh, certaine réglementation est nécessaire dans tous les domaines, et surtout dans le domaine des étrangers où... Euh, de la procédure d'asile, par exemple, euh, la réglementation euh, aide aussi à, à maintenir une certaine qualité, une certaine forme de la bonne euh, organisation. Mais euh, seulement, il ne faut pas penser seulement aux termes des de répressions, mais il faut penser aussi à la prévention. Et la prévention passe en matière de la migration à mieux intégrer les étrangers. Euh, qui sont euh, chez nous à, à, en Suisse. Par exemple, l'intégration et surtout euh, traiter aussi de manière euh, égale les étrangers euh, qui habitent ici avec respect et dignité. C'est aussi une des possibilités, un des moyens qui doit euh, contrecarrer ou balancer euh, les mesures de durcissement. On doit penser aussi à la prévention. Et si l'on vous demandait de définir en deux phrases ce que le mouvement socio-libéral préconise en matière des étrangers et de la politique migrative, que pourrez-vous dire En matière de la migration, d'abord, nous, nous soulignons clairement ce qui concerne la libre circulation des, des personnes. C'est un acquis important. La libre circulation est importante pour l'économie euh, de la Suisse. Il y a eu des, des résultats aussi euh, satisfaisants, mais il est nécessaire euh, donc de les soutenir. Le les mouvement sociolibéral euh, soutient euh, ces accords de la libre circulation des personnes, mais bien évidemment, il faut les faire accompagner, des mesures d'accompagnement, euh, par exemple, combattre les dumping salarial ou encore intensifier la formation. C'est là où euh, euh, le personnel sera compétitif et à, à travers ces moyens-là, on pourrait contrecarrer peut-être la migration d'autres personnes qui viennent euh, euh, en Suisse. C'est parce qu'il y a un manque. Alors il faudra vraiment euh, prendre des mesures adéquates en, en ce qui concerne la formation. Et puis il y a autre chose aussi c'est que nous, en même temps, euh, le mouvement social libéral euh, s'engage. À combattre euh, l'inégalité des traitements qui existent entre les étrangers qui proviennent des pays tiers et les étrangers qui proviennent des pays de l'Union européenne. On le voit en matière de conditions d'établissement, les conditions euh, de séjour, des conditions de regroupement familial. Il y a deux poids, de mesures dans ces domaines-là. Euh, nous nous engageons euh, à apporter des améliorations. Dans ces domaines. Et enfin, aussi, nous sommes pour la solution globale en ce qui concerne la problématique des personnes sans papier. Nous pensons que les personnes qui vivent en Suisse depuis un certain temps, il y en a même qui ont des enfants qui vont à l'école ou peut-être qui travaillent, qui se sont adaptés à nos us et coutumes. Ces personnes-là euh, méritent d'avoir un séjour ici euh, en Suisse. Ça fait partie du respect et du traitement digne que nous préconisons toujours. Ricardo Lumengo, je vous remercie et bonne chance à vous. Merci beaucoup.